Donc cette société, enfin, ces sociétés contrôlent environ 75% des usagers français, ces trois sociétés. Donc 1853, Général des Eaux, 1880, la Lyonnaise des Eaux Suez, et 1933, la SOR, dont je vais vous parler. Alors, la SOR. La SOR, en 1933, elle a fonctionné petitement par rapport aux deux autres sociétés, et c'est à partir des années 1980, avec l'arrivée de François Mitterrand, que cette société a été contrôlée par le groupe Bouygues, qui allait détenir TF1. En parallèle, Veolia a très longtemps été le principal actionnaire de Canal+, et que Suez avait M6. Donc vous voyez, tout ça était bien contrôlé de tous les côtés. Donc, la SOR, Bouygues s'en est sorti à un moment et a revendu ça à Saint-Gobain, puis à Paprec, hein, qui est plutôt spécialisé dans le recyclage des déchets, et puis à EQT, qui est un fonds de pension suédois qui est contrôlé par la famille la plus riche de Suède, la famille Wallenberg. Voilà. Voilà la situation donc, d'entreprises privées sur lesquelles moi je n'ai pas trop de compliments à leur faire, mais le problème de ce que je vais vous évoquer localement, c'est le contrôle par les élus qui délèguent, une fois qu'ils sont élus maires avec leurs adjoints et leurs conseillers municipaux, qui disent bon, bah, les services publics plutôt essentiels ou de proximité, oh, je ne suis pas compétent, j'ai beaucoup de travail, peut-être parfois je cumule un peu, donc je vais déléguer ça. Hein, et puis quand on délègue, en général, on est très fidèle. Et quand on délègue, souvent ces entreprises peuvent financer des bâtiments publics, un festival de l'eau, un festival de l'art, un festival... Enfin, ils sont très très gentils avec les élus pour essayer de montrer qu'ils sont indispensables. Tout ça est possible si c'était transparent et si les choses n'étaient pas liées entre le renouvellement de ces contrats et les services donnés et ce qu'on paye, donc la facture. Alors, on a l'exemple du syndicat RAO, donc Rhône, Aigue, j'ai oublié le U, non le O, Ouvèze, qui regroupe 40 communes et 72 000 habitants, donc c'est déjà un syndicat important. D'ailleurs, en France, on aime beaucoup les syndicats qui sont très utiles, même si le gouvernement récemment souhaite d'en supprimer beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de syndicats, peut-être trop de syndicats. Mais en même temps, les élus aiment bien ces syndicats parce que quand vous êtes dans le bureau, le président et les vice-présidents touchent des indemnités qui ne sont pas forcément excessives. Hein, c'est autour de 1 000 euros et pour les autres, les adjoints ou les vice-présidents, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros. Donc c'est pas là où je veux en venir. Mais cette fidélité de ces élus à ces syndicats et cette fidélité aux entreprises qui gèrent leurs services dans leurs différentes communes est un peu étonnant parce que normalement la concurrence devrait jouer et la concurrence joue très très peu. Alors, en plus, ces syndicats, et c'est pas spécialement le vôtre, sont souvent contrôlés par des gens qui sont quand même un petit peu âgés, on va dire. Ça va de 75 à 83 ans, vous voyez, les principaux syndicats. Et le vôtre, il a, enfin le Christian Perron, et son âge ne pose pas de problème en tant que tel. Enfin, Christian Perron devrait peut-être prendre quand même sa retraite. Ce syndicat, donc, a été créé en 1947, donc ça fait 77 ans. Et Vaqueras est adhérent de ce syndicat depuis 70 ans. Donc si vous êtes adhérent d'une ville depuis 70 ans, on peut estimer que vous allez avoir un service quand même à la hauteur, puisque c'est toujours la même entreprise qui l'a. Et ce que je vous dis pour ici, c'est valable un peu partout en France. Alors, pour savoir véritablement si le service est bon, il y a deux manières de le vérifier. D'abord, votre facture, ça, c'est du domaine privé. Vous voyez si la facture, elle augmente et pourquoi elle augmente. Mais le problème, c'est que de lire une facture comme ça, c'est pas à la portée de tous, hein, parce que vous avez beaucoup de colonnes. En plus, il y a des périodes différentes avec des augmentations d'un semestre à un autre. Enfin, tout ça est assez illisible. Mais pour faire simple, vous avez la partie eau qui représente en moyenne en France et chez vous autour de 30% de la facture TTC, qui est donc soit en régie publique, soit en délégation. Et là, vous avez la partie de l'entreprise et la partie de la ville ou de la communauté ou du syndicat qui sert aux investissements, puisque ce n'est pas l'entreprise qui investit, c'est la collectivité. Donc sur la partie que vous payez sur votre facture. La partie assainissement, même chose. Là, chez vous, c'est une régie, mais contrôlée par une autre communauté d'agglomération qui s'appelle la COV. Donc là, ça commence à encore
plus complexifié. Et vous avez les redevances à l'agence de l'eau, pour vous c'est Rhône Méditerranée Corse, les redevances de prélèvement et de pollution, plus la TVA 5,5 et vous avez le TTC. Comprenez que déjà, ce n'est pas simple à comprendre et c'est un petit peu fait exprès aussi pour que vous ne vous intéressiez pas trop à ces questions-là. Mais le véritable contrôle que les élus devraient avoir, c'est sur les rapports annuels du délégataire qui sont obligatoires de manière légale depuis la loi de 1995. Donc ça fait quand même bientôt 30 ans. Ces rapports sont disponibles, pas partout, mais sur Internet. Rapport annuel du délégataire 2022, le dernier pour vous, c'est 2023. 2023, il sera connu que probablement entre juin et septembre de cette année. Donc 2022, c'est le dernier. Et ce rapport annuel doit passer au conseil municipal ou, parce que ça a été transféré par différentes lois au niveau des syndicats ou des communautés de communes, à ces entités-là. Donc, et là, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de voter, ce n'est pas une délibération. Si on prend acte d'un rapport qui fait 30 à 40 pages dans une commune petite, jusqu'à 150 pages dans une grosse commune. Bon. Et là, il faut déjà avoir accès, il faut le lire. Et quand vous le lisez, ce n'est pas très simple, parce que souvent, que ce soit l'ASSOR ou un autre, vous avez quand même une bonne partie de publicité de l'entreprise. Bon. Et donc, dans ces deux rapports, qui sont souvent la copie conforme, c'est-à-dire le rapport du délégataire va donner ce que la communauté de l'agglo, le comité de communes ou le syndicat va approuver après, c'est le RPQS, le rapport sur la qualité et le prix de l'eau potable pour l'année X, donc 2022. Bon. Donc, quand vous avez la chance de lire ça, ça fait pas mal de pages. Ce qu'il faut lire, c'est d'abord l'historique du contrat, qui est au tout début. Vous voyez, si votre contrat, il a 10 ans, 15 ans, 30 ans, ça c'est une première chose. Ensuite, vous avez un peu l'historique, la qualité. Là, c'est pas qu'il faut passer là-dessus, hein, mais en général, vous avez des chiffres de 99 à 100%, la qualité est bonne. Donc, il n'y a pas de problème. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je ne vais pas faire un procès sur la qualité de l'eau, je n'ai pas trop le temps là-dessus, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Et ensuite, vous avez un certain nombre de choses sur les fuites et le renouvellement des réseaux. Et c'est ça le plus important. Et chez vous, les fuites se montent à 28% depuis des années. Donc, vous êtes un élu lambda, peu importe quelle conviction vous avez, vous dites « ça ne va pas ». Le chiffre moyen en France de fuite est autour de 20%. Moins dans les grosses agglomérations urbaines, qui est plus près de 15%, et plutôt 25% dans les communes rurales. Mais l'un comme l'autre ne sont pas acceptables. Parce que vous payez, de toute façon, la totalité. Donc les fuites, ça part dans le milieu naturel, mais ce n'est pas cadeau. Vous payez quand même. Bon. Donc, le service n'est pas bien assuré. La deuxième chose qu'il faut vérifier, c'est qu'un réseau de canalisation, quel que ce soit de la fonte, du plastique, ou peu importe le matériau utilisé, ça a une durée de vie de 60 à 80 ans, en moyenne. On dit jusqu'à 100 ans, allez, ça peut passer. Mais après, évidemment, ça a un lien direct sur les fuites et sur la qualité. Alors, chez vous, vous avez 28% de fuites et vous avez un renouvellement. Alors, j'ai remonté sur les 10 ans hein, pour voir, parce qu'ils font souvent des moyennes sur les 5 dernières années. J'étais voir. Donc, le rythme de renouvellement des canalisations devrait être entre 60 et 80 ans. Chez vous, il est entre 130 et 200 ans. Ce n'est pas très difficile de le vérifier. Sauf que lorsque vous lisez, il vous donne par exemple le chiffre de 0,50%. Taux de renouvellement des réseaux, 0,50. Ça ne vous parle pas. Là, il faut diviser 1 par 0,50 et ça vous donne la durée. Et c'est comme ça que vous arrivez à 200 ans. Et que 200 ans, c'est quasiment 3 fois supérieur à la durée de vie théorique d'une canalisation. Donc là, le service, il n'est pas assuré. Il n'est pas bien assuré. Donc je ne comprends pas qu'à aucun moment, lorsque ce rapport vient et qui est examiné par la commission consultative des usagers aussi, préalablement, avis consultatif, mais quand même, alors je ne sais pas s'il y a des associations qui ont la chance de faire partie de ces commissions, mais devraient quand même poser la question en disant, mais quand même, ça fait des années que ça ne bouge pas beaucoup. Alors on peut se dire, grâce à ça, vous avez peut-être un prix très modeste. Mais ce n'est pas le cas non plus, parce que vous avez un prix plus élevé
par rapport à la moyenne du département et à la moyenne de la région et à la moyenne de la France. Parce que rien que pour l'eau, vous avez un chiffre 2022 de 2,41 €. Vous voyez, en Île-de-France, globalement, on est autour d'un 1,50 €. Bon, alors c'est plus gros, c'est vrai. C'est peut-être un peu plus facile. Mais quand même, grosse différence. L'assainissement, donc je vous dis, je commence à vous le dire, 30% de la facture, c'est l'eau, 50% c'est l'assainissement, et ça va augmenter parce que les normes de respecter la potabilité et lutter contre la pollution, ça coûte de plus en plus cher, et vous avez les redevances. Donc, 2,41, mais 2,13 pour l'assainissement. Alors que vous auriez dû payer peut-être autour de 2 € ici, et peut-être de 2,50 € l'assainissement. Vous voyez, les chiffres ne sont pas cohérents. Donc ça vous fait une facture TTC qui n'est pas loin des 5 € en rajoutant les redevances et la TVA. En France, la moyenne est à 4,20 €. Et donc vous êtes 80 centimes de plus. Un ménage en moyenne, 2 adultes, 2 enfants, c'est autour de 120 mètres cubes par an de consommation. Donc vous voyez un petit peu, les petites gouttes font les grands océans de profit quand vous voyez tout ça. L'autre élément, je vous l'ai amené, parce que je vous ai dit, l'historique du contrat, la qualité, les performances techniques. Le quatrième, c'est une page. C'est cette page-là. Et là, vous voyez que là, il y en a qui s'en mettent, je ne vais pas plus loin. Ça s'appelle le CAR. En anglais, c'est soin. C'est compte annuel de résultats d'exploitation. Les recettes, ce que vous payez, les factures. Les dépenses, la dépense de la SOR, en l'occurrence pour vous, pour l'entretien des canalisations, le renouvellement, etc., les locaux, l'électricité, etc., etc., et le personnel. Le personnel. Parce que c'est surtout là qu'il y a de l'abus. Alors, vous imaginez que chez vous, ils gagnent de l'argent. Ben non, ils en perdent depuis très longtemps. Ils ont perdu l'année dernière, en 2021, 387 000 euros. Hein ? Et en 2022, 315 000 euros. Une entreprise sérieuse comme cette société perd de l'argent. Mais par contre, les comptes de la Société Générale gagnent de l'argent. Mais individuellement, et c'est vrai pour Veolia et Suez. Pourquoi ils perdent de l'argent? Le chiffre des recettes est un chiffre exact. Le chiffre des dépenses n'est pas exact. Ils surgonflent les frais de personnel, par exemple. Vous avez l'équivalent pour le syndicat de 20 équivalents temps plein. 20. Ça veut dire que ça fait 30 à 35 salariés qui travaillent toute l'année, un petit peu, pour le syndicat. Je n'y crois pas une seconde. Mais il y a une autre rubrique qui s'appelle contribution des services centraux. Services centraux, c'est le siège de la SOR, hein, qui est en région parisienne. Ils ont à peu près plusieurs milliers de contrats quand même, hein. Il vous compte 10 équivalents temps plein. Bon. Alors, je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est Veolia. J'étais secrétaire du comité d'entreprise de Veolia Eau Île-de-France. Je connaissais la masse salariale, puisque quand vous êtes un comité d'entreprise, vous avez un pourcentage de la masse salariale affectée aux activités sociales et culturelles. Donc, j'avais le nombre de salariés et le montant. Et j'ai additionné tous les frais de personnel facturés sur tous les contrats que mon entreprise avait en Île-de-France. Il y avait une différence de 271% de surfacturation. Donc j'avais dit à ce moment-là, lors d'un comité d'entreprise, devant ma direction, vous avez deux possibilités, vous augmentez les salaires de 271%, comme ça là on est d'équerre, évidemment, hein, ou alors vous rendez l'argent aux communes que vous avez surfacturé. Je l'ai dit un nombre de fois, comme je l'ai fait ce soir, 1800 réunions, et où il y avait des gens de Veolia, de la SOR, etc. Personne ne m'a jamais attaqué en diffamation, et pourtant j'ai été attaqué en diffamation. Pas là-dessus. Et donc, la sous-traitance aussi, la sous-traitance d'une année sur l'autre, une augmentation de 20%. Tout ça, c'est des éléments que l'ensemble des élus qui font partie de ce syndicat, donc c'est plusieurs dizaines, c'est au moins de poser une question comme ça. Donc, aucune question, mais pas spécialement chez vous. C'est ça qui pose problème. Pourquoi ils ne le font pas? Je dis principalement, c'est qu'ils méconnaissent les choses. Enfin, j'ai passé 40 ans dans une entreprise, donc forcément c'est plus facile pour moi. Mais quand vous êtes élu, surtout pour la première fois, c'était une compétence, mais sur tel domaine, mais pas là-dessus.
Et donc, si vous ne vous formez pas, si vous ne vous intéressez pas, si vous ne contrôlez pas, au moins en posant des questions, puisque vous n'avez pas toujours la réponse, et ça, ce n'est pas grave. Mais quand vous ne posez pas de questions et qu'à l'unanimité, 90 fois sur 100, parce que je ne veux pas être méchant, ben vous prenez acte. Et donc, chaque année, ça se passe comme ça, depuis 1995. Alors, il y a des communes qui ont quand même quelques-unes qui ont fait ce travail, et d'autres qui ont dit, bon, ben on va les virer, et on va faire une régie. Hein. Moi, je suis plutôt, par principe, parce que le service de l'eau est un service public, plutôt pour la régie, évidemment. Mais lorsque les élus disent, ben on n'a pas le temps, enfin, etc., on n'est pas compétent, on n'a pas le personnel, ben, à ce moment-là, on délègue. Mais si on délègue à la condition qu'on ait un bureau d'études ou un service de fonctionnaire compétent pour contrôler, c'est la moindre des choses, sinon je ne comprends pas. Et donc, je ne veux pas accuser votre président de 81 ans, mais quand je vois les revues de presse, etc., que j'ai... Non, mais il faut qu'il prenne sa retraite rapidement, parce qu'il n'a jamais rien vu. C'est ça qui pose problème. Alors, je ne sais pas de quel bord il est, peu importe, mais je l'ai vu partout. C'est ça qui... Et quand je vois que un autre élu important, le maire de Bolène, tu vois, il y a des gens de Bolène ici, moi je ne le connais pas, hein, mais j'ai été regardé et on trouve assez facilement, bah, c'est vrai qu'il est quand même maire de Bolène, président d'une communauté de communes, conseiller départemental et président d'un syndicat du bassin versant du Lez. Bon. Mais professionnellement, qu'est-ce qu'il faisait ? Bah, il était chef de projet chez Suez entre 2012 et 2016, directeur du développement de la SOR 2016-2018, puis il a créé un cabinet d'audit réseau en 2019 qui travaille indirectement pour la commune, enfin pour le syndicat et pour la SOR. Et qui n'ont donc, le cabinet d'audit, ce que je dis là, il devrait lui le dire depuis longtemps, puisqu'il a travaillé dans l'entreprise et qu'il a créé un cabinet d'audit. Là, c'est ce qu'on appelle un cas flagrant de conflit d'intérêts. Donc, je prends deux personnes, c'est sûr, je le fais tout le temps remarquer, hein, parce que je cherche à chaque fois, et à chaque fois je trouve quelque chose qui pose problème. Mais ce n'est pas le mode de gestion ou l'entreprise qui est le principal problème, ce sont les élus. Je suis conseiller municipal, donc ça ne me pose... Et je suis dans le plus gros syndicat d'eau qui est présidé par André Santelli depuis 40 ans. Et bien ce syndicat... je l'ai attaqué quand je travaillais chez Veolia. C'était Veolia qui avait le contrat. Bon, M. Santini m'a attaqué en diffamation. Puis maintenant, on est devenu assez proche. Et c'est pas mon histoire entre lui et moi qui est important. C'est qu'entre le contrat qu'il a signé en 1998 et qui s'est terminé en 2010 et de 2010 à aujourd'hui, ah ben le contrat, il a baissé le prix de l'eau de 30%. Il n'y a plus que 9% de fuite, il y en avait le double il y a quelques années, et il renouvelle les réseaux tous les 85 ans. Bon, il a fait ça sur un contrat qui a duré 12 ans. Il y a des résultats. Vous avez le maire, je crois qu'il est toujours maire de Dijon, ancien ministre, qui lui, au congrès des maires, il est dans le stand de Suez. Mais c'est même pas, il a même, vous voyez, non, il est maire, il n'est pas ne travaille pas chez Suez. On a l'impression que si. Oui. Puis vous avez un autre exemple, hein, mais c'est au hasard. Vous avez le maire de Nice qui avait Veolia depuis 1860, qui en 2015 l'a remplacé par une régie. Oui. Et c'est pas du même bord. Il y a la gauche qui est normalement pour le service public et la droite qui a priori pour la privatisation. Mais dans le cadre de l'eau, vous avez absolument tous les cas de figure. Le problème, c'est le contrôle. Alors, il y a au niveau, alors simplement le fameux contrat, le rapport annuel du délégataire, 316 pages. Et quand vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas fastidieux. Le rapport du président, donc Monsieur Christian Perron, il fait que 52 pages, mais c'est une synthèse de l'autre. Hein. Le contrat qu'il a signé en mai 2018. Se termine dans 4 ans, mai 2028. Pour éventuellement choisir un mode de gestion ou un autre, mais surtout choisir le mieux pour l'intérêt des usagers, c'est de s'en préoccuper 2-3 ans avant, donc pratiquement à partir de maintenant. Et pour s'en préoccuper, si les élus ne s'en préoccupent pas, ce qui est plutôt le cas, c'est, je vous dis par expérience, c'est une association, un collectif associatif
qui essayent d'informer avec la presse locale et avec des élus qui veulent bien de donner ces informations-là et de mettre véritablement en concurrence pour avoir un prix quand même raisonnable, là il n'est pas raisonnable chez vous, et un service quand même, parce que quand même depuis tant de décennies, avoir 22% de fuite, c'est pas bien raisonnable. Et de renouveler les réseaux tous les... 28%, c'est pas sérieux. Alors vous allez dire, mais quel moyen en dehors de ce que je viens de vous dire? Alors il y a un moyen national et international. Quand je vais vous le dire, vous allez dire non, mais je vous le dis. Il y a un centre d'information sur l'eau. Vous tapez CIO, pas le comité olympique, hein, le CIEAE. Vous voyez qui, les membres du bureau. Les deux premiers, c'est les responsables de Veolia, les deux suivants, c'est Suez, et le dernier, c'est la SOR. Donc, c'est les gens absolument indépendants qui vont vous dire la vérité. Et vous avez le Conseil mondial de l'eau. Alors, le Conseil mondial de l'eau, parce que l'eau n'est pas gérée au niveau international par l'ONU, étonnamment, mais par le Conseil mondial de l'eau. Et il se situe à Marseille. Pas loin, mais même quand j'ai fait des réunions à Marseille il y a une dizaine d'années, les Marseillais ne savaient pas, il n'est pas loin du port. Hein. Ce Conseil mondial de l'eau, le président de ce Conseil mondial de l'eau, c'est le président de la Société des eaux de Marseille. Bah, il est local, hein, on va pas faire de, ça fait moins de distance. On est écolo, pas de transport. Mais le président de la Société de Marseille, c'est à 100% Veolia. Vous voyez, il s'appelle Loïc Fauchon, il a 75 ans, il est président de ce conseil depuis 1996. L'eau, ça conserve. Et on s'y accroche parce que c'est un pouvoir. Ces grands hommes politiques de droite et de gauche qui dirigent ces syndicats, c'est un pouvoir, et c'est un pouvoir sur les autres élus, quel que soit leur bord politique, et avec les indemnités, on les appâte un peu. Donc voilà un petit peu cette situation. Donc je vous donne quelques pistes. Hein. Donc le monde associatif, tenter de faire la lumière, c'est ce que j'ai essayé de faire modestement. Juste pour le prix, hein, je vous ai dit, c'est moins cher, enfin, vous êtes plus cher que le département. Vous êtes 20 centimes plus cher par mètre cube, multiplié par le 1, hein, pour l'eau. Et par rapport à la région, il y a presque 40 centimes. Donc ce qui fait, et par rapport au national, c'est 20 centimes d'écart. Par contre, l'assainissement qui est en régie, vous êtes moins cher que le département, mais un peu plus cher que la région. En disant que l'assainissement est à peu près correct. Après, il faudrait parce que ça, je n'ai pas le rapport sur l'assainissement. Donc, je ne peux pas dire. A priori, ça n'a pas l'air trop mauvais. Mais pardon. Pas que sur Vaqueras, mais sur Vaqueras, sûr, parce que c'est géré par le. Alors, voilà, ça dépend. C'est la COV, donc c'est un cas particulier. Et vous, c'est là-bas, c'est la SOR aussi. Bon, alors là c'est... Ça date de la modèle. Ah, ils ont signé un contrat pour 12 ans, je suppose, ou 10 ans. Et il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de... Voilà. Oui. Détail, on a reçu un courrier comme quoi l'assainissement... Oui, alors j'ai vu que ça passe d'1,10€ à 1,92€ à partir du 1er janvier. Oui, oui. Alors, bon. Donc ça, effectivement, parce que soi-disant, il y a des travaux importants à faire, ce qui est possible... Mais c'est un peu trop facile, si c'est la SOR qui gérait l'assainissement depuis longtemps, que la SOR n'aurait pas. Alors, quand je vous dis ça, le rapport de la Chambre régionale des comptes, vous voyez ce que je viens de vous dire, c'est résumé là. Rapport de la Chambre régionale des comptes de novembre 2020, hein, pour les années 2013 à 2019 inclus, pour l'ensemble du syndicat. Des règlements de service imprécis, voire irréguliers. Un prix de l'eau fixé à un niveau trop élevé. Des taux d'exécution de l'investissement insuffisants, un programme d'investissement qui n'atteint pas complètement ses objectifs et un financement des investissements non optimisé, une trésorerie trop abondante, une exécution contractuelle peu favorable, l'échec de la mise en place de la télérelève, donc je vais vous reparler des compteurs parce que ça c'est pas mal aussi, une mise en œuvre partielle du géoréférencement, une rémunération de l'exploitant qui présente des irrégularités. Et il signe un contrat. Une exploitation prévisionnelle est réalisée, très favorable au délégataire. Un contrôle insuffisant du délégataire par le syndicat, c'est ce que je viens de vous dire. Une procédure de contrat de 2018 à 2028 qui présente des faiblesses. Ah bah oui, bah oui. Donc ça, il l'a reçu. J'ai vu la réponse
En gros, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, comme madame la députée, vous avez encore quelques minutes ou pas trop ? Voilà, puisque vous êtes là, autant faire les choses, parce que c'est rare qu'on a des députés. Et pourtant, je fais beaucoup de réunions. Alors, je ne vais pas répondre sur le plan politique pourquoi les gouvernements qui se sont succédés n'ont rien fait, mais je ne suis pas tout seul à faire cette demande qui me semble du bon sens. Il n'existe pas en France, et pourtant ça existe dans d'autres secteurs, une instance nationale de régulation. Ça n'existe pas pour l'eau. Et quand vous voyez toutes ces choses-là, toutes ces disparités de prix, de services, de communes, alors que normalement c'est un service public, pas forcément national, hein, soit c'est local. On peut prendre en compte la montagne, les plaines, les... OK, mais qu'il y a une telle disparité et qui est souvent injustifiée, une instance nationale de régulation serait, à mon avis, quelque chose qui permettrait un petit peu de réguler ce secteur qui n'est absolument pas concurrentiel et qu'en même temps, on a... Parce que ce que vous avez dit et ce que j'ai lu à travers ce rapport, mais je l'ai lu des dizaines de fois dans d'autres collectivités, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans l'est ou dans l'ouest, on a les mêmes problèmes. Et que souvent, quand je vous ai dit, c'est par une association, on peut rester en justice, utiliser la presse locale, mais normalement, ça, on ne devrait pas avoir le faire, c'est les élus qui... Parce que ce qu'on découvre là, c'est quand même pas hyper compliqué, c'est assez fastidieux, parce que les rapports sont longs. Mais s'il n'existe pas quelque chose au niveau national, il y a une autorité de la concurrence. Mais je l'ai saisi aussi, pas que moi, mais ça, cette autorité de la concurrence, après, ça part au niveau européen. Et au niveau européen, il y a des lobbies aussi énormes des grandes multinationales qui ont leur place. Hein. Moi, je ne veux pas les critiquer plus que ça. Mais quand on les contrôle, les choses sont raisonnablement correctes. Mais quand on ne les contrôle pas, il y a de l'abus. Je ne veux pas taper plus que ça. Hein. Je veux dire, ce n'est pas la corruption. C'est un état de fait et c'est partout. Et c'est peut-être pour ça que politiquement, il y a des gens qui sont déçus et qui vont peut-être voir quelque chose. Je ne veux pas plus loin parce que je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ça peut expliquer les sondages. Parce qu'on a beaucoup dit de mensonges et de promesses aux gens qui n'ont pas été tenus par les différents gouvernements. Alors, je n'ai pas la solution, je ne sais, parce que ça dépend des individus qui se présentent, et d'ailleurs, il y a de moins en moins de gens qui veulent se présenter. Et surtout, à des responsabilités importantes ou des responsabilités de maire, parce que maire, c'est sûr que c'est certainement une tâche très difficile, et surtout une commune qui est petite, où vous faites engueuler tout le temps. Hein. Mais vous le savez, et si vous vous présentez, vous formez un peu avant, et vous essayez d'avoir une équipe, un peu de gens qui ont un peu de cerveau, et qui vont quand même dire à la population un petit peu ce qu'ils essayent de faire pour le bien des gens, et non pas le garder confidentiel. Voilà, moi j'ai pas d'autres recettes ou de... C'est ce que j'ai constaté, ça fait 25 ans que je fais ça, ça fait 25 ans que je dis à peu près les mêmes choses. Ça s'est un peu amélioré, parce qu'il ne faut pas non plus toujours aller dans le mauvais sens, mais largement insuffisamment. Et c'est pour ça que c'est facile, en fin de compte, par ces entreprises-là ou par des élus qui disent voilà, il va rien se passer. Mais on est là au moins pour tenter de, voilà, d'éclairer un petit peu, de les emmerder un peu pour l'intérêt général. Après, on n'est jamais sûr du résultat, mais si on ne fait rien, on est sûr du résultat aussi. Alors autant faire quelque chose, quoi. Eh bien, écoutez, nous vous remercions. Hein. Merci.